Coucou les petits bouts, j'espère que tout va bien chez vous. Je reviens de la poste parce que j'ai vendu un sac Guess justement à une abonnée et ça m'a fait penser que je devais vous faire un Shop My Closet. En plus, j'ai vu qu'elle en avait fait aussi Adoration. Donc c'est très bien, je vais vous faire ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Genre, je réfléchis trop. J'étais aussi allée à la poste puisque vous avez vu que je vous ai fait un unboxing des baskets Karl Lagerfeld, mais elles sont vraiment trop grandes, donc je les ai renvoyées. Et maintenant qu'elles sont bien safe, bien renvoyées, que je sais que ça va pas être débité, je vais recommander le 37. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe avec mes commentaires, je n'arrive pas à lire vos commentaires les filles, franchement, voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai à vendre. Il y a des 3 paires de baskets, un manteau et une jupe. Je n'utilise pas Vinted, c'est pas peine de me demander. Je vends tout sur Insta d'habitude. Et ah oui, mais j'ai même un bracelet Swarovski. Ce que je pense, c'est un bracelet Swarovski que j'avais mis en vente. Je vous le fais après. PayPal, virement bancaire, il faut rajouter. Bon, pour les baskets, c'est 7,50. Peut-être que pour les plus grosses, là, ce sera 8 parce que c'est quand même plus lourd. Et pareil, 7,50 pour les vêtements. C'est le prix de Colissimo. Dès que vous me payez, j'envoie le plus rapidement possible. Je suis désolée, des fois c'est un peu galère. Genre hier, tu vois, ça ferme à 16h45 la poste. Et moi, je finis à 16h. Le temps de sortir les gamins, il est 16h30. Donc je peux pas y aller quoi. Et c'était galère. Donc j'avais envoyé à mon abonné. Désolée, mais donc aujourd'hui c'était bon. Alors, je vends ces baskets là qui sont les Oswego. Qui sont. Alors d'ailleurs, oui. Ah oui, pourquoi ça fait un petit trait comme ça? Ah, c'est. Ça se fait que ça fait une marque comme ça, les Oswego. J'avais même pas vu que ça faisait ça. Ça fait un petit trait. Bon, je les ai portées 3 fois, je crois. Non, regardez, elles sont nickel. C'est une taille 38 de tiers. Ouais, c'est ça. 38 de tiers, je sais pas si vous le verrez bien. Elles sont hyper légères, etc. Je les fais 25€ plus l'envoi. Donc, ça vient de chez Zalando si ça vous intéresse. Ça vient du magasin Chou. Je l'ai fait 20€, ça vient du magasin, il faut que je les dépoussière, je les ai pas portées depuis longtemps, c'est des LS, elles sont en taille 39 si je ne m'abuse, j'avais dû prendre 39, chlouk chlouk chlouk, où est-ce que je l'ai vu l'autre jour? Oh, bah alors elle est bonne celle-là, bah, où est-ce que j'ai vu la taille l'autre jour? Elle est quand même là normalement, non 38, donc taille 5, iridescente, pareil, qu'est-ce que j'ai dit? 20€, plus l'envoi. Ensuite, je vends celle-ci. Vous savez que je les ai eues l'autre jour sur eBay, les Isabelle Marant. Je les vends 30€. Je les ai bien nettoyées. Je ne les ai pas du tout portées, moi. Si elles ont été portées, c'est par la personne qui me les a vendues. Je les ai eues sur eBay parce qu'en fait, je préférerais les avoir toutes en noir. Donc voilà, j'ai essayé de bien les nettoyer. C'est des pompes qui valent, je ne sais pas, 350 balles. Moi, je les avais moins chères. Et donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, je vous mettrai mon adresse mail parce que du coup, je ne vais pas pouvoir lire vos commentaires. Je vous mettrai mon adresse mail en barre d'infos. Donc, Isabelle Marant, taille 39, celle-ci, oui, taille 39. Je les vends 35€ plus l'envoi. Je l'ai dit 30... Oh, je ne sais plus. Je ne sais même pas si je vous ai dit déjà le prix. 35€ plus l'envoi. Ouais, c'est ça. Ensuite, j'ai une jupe Levi's que m'avait revendu ma copine Jamila, mais elle est trop grande parce que ça c'est une taille, si je ne m'abuse, normalement je dois pouvoir la retrouver, c'est une, alors c'est un 26, taille 26, mais c'est 36 et moi il faut, c'est 34 moi, donc c'est trop grand, donc c'est une vintage, hein. Elle n'est pas de toute première jeunesse parce qu'elle date du début des années 2000, donc voilà, derrière c'est comme ça, voilà. Elle est longue et elle est asymétrique, bien sûr. Et je la vends 25€ plus l'envoi. C'est une 36. Voilà. Ensuite, et pour finir... Non, pas pour finir. Ce manteau-là. Alors, ce manteau-là qui est un manteau, donc vous voyez, des années 60 que j'avais chiné. Et c'est une taille. Alors, on ne sait pas tout à fait quelle est cette taille. Je dirais que ça correspond à... J'essaie de bien vous montrer. À un 36, je dirais. 36, ouais. Donc, il est comme ça. Derrière, il a la martingale. Je ne sais pas si ça se passe. Le motif, voilà, il est vraiment comme ça. Tu as la petite ceinture. Tu as 4 boutons. Et là, à l'intérieur, tu as un petit crochet. Voilà, c'est de la laine. Je sais pas si tu vois le petit crochet? Oh, c'est pas facile de filmer comme ça. Bon, bref. Tu as un petit... Voilà. Et celui-ci, je le vends 25€ plus l'envoi. Il est vraiment d'origine, hein. Il est vraiment d'époque, je veux dire. Et aussi, ah oui, bah, tant qu'on y est,
J'avais mis 30 euros aussi, mais sauf que ça, c'est que 4 euros l'envoi, puisque c'est en 4,50, pardon. Oui, que je dise pas de conneries. Que je dise pas de conneries. Alors, attends, hop, voilà. Alors, c'est un bracelet Swarovski, s'il en fut. Je me suis maquillée avec une petite palette Too Faced, là, celle où il y a des petits... Attends, je vais te montrer. Il y a des petites framboises dessus. Voilà. Ah, d'ailleurs... Ah oui, il faut que je vous... En parlant de palette, non, mais elle fait des transitions. Elle fait des transitions. J'ai deux palettes que je serais susceptible de vendre. Attendez, je vous explique. Je vous explique. Alors, déjà, je vous montre le petit bracelet Swarovski. Voilà, donc c'est un bracelet double tour Swarovski avec le... l'aimant. Alors, l'aimant, il est menthe, hein. Tu peux y aller. Hein. Tu fais un double tour et je le vends 30 euros. Voilà, il est bleu turquoise. Voilà, avec écrit Swarovski. Ici, je ne sais pas si tu le verras parce que je ne suis pas sur la bonne caméra. J'ai deux palettes que je suis susceptible de vendre, mais je vous explique. La Huda Beauty, là, celle-ci, elle a été utilisée. Bon, déjà, il faudrait que je la nettoie. Mais je peux la nettoyer et la vendre, auquel cas, je la ferai 20 euros. Il y a cette couleur-là qui a été creusée. Parce que c'est des paillettes pressées, donc c'est hyper galère. Je peux vous la vendre. Si ça intéresse quelqu'un, je peux vous la bien la nettoyer et je la fais à 20 euros. Bien évidemment, c'est une vraie, elle vient de Sephora. Et j'ai celle-ci aussi que je me rends compte que je n'utilise pas. Pareil, 20 euros si ça intéresse quelqu'un. Il y a juste ça où j'ai mis un petit coup d'ongle. Si tu as 3 highlighters en haut, 3 blushs, les highlighters, ils sont top, hein, évidemment. Et donc, c'est une 4-20, c'est une vraie aussi. Ça vient de chez Sephora aussi. Voilà, bah écoutez les filles, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas. Ça me fait du vide, ça me débarrasse. Et puis comme ça, bah, je peux racheter des trucs. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao.